des amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Avantage de l'ail pour la croissance des cheveux. Avantage de l'ail pour faire pousser les cheveux, recette faite maison qui fonctionne. Avantage de l'ail pour faire pousser les cheveux, recette faite maison qui fonctionne. Beaucoup d'entre vous me demandent toujours des recettes maison pour la croissance des cheveux et aujourd'hui nous allons faire deux recettes super puissantes. L'ail est un ingrédient qui ne peut pas manquer lors de la préparation de ma nourriture. Mais il n'est pas seulement idéal pour donner à vos plats un goût exquis. Il peut également aider à améliorer et à accélérer la croissance des cheveux et à faire repousser de nouveaux cheveux. Pourquoi ça marche? L'ail possède des propriétés antimicrobiennes étonnantes qui aident à maintenir le cuir chevelu dans des conditions optimales pour la croissance des cheveux. Ces propriétés antimicrobiennes préservent le cuir chevelu de germes et de bactéries. L'ail est riche en vitamine C. Cette vitamine contribue à augmenter la production de collagène qui favorise la croissance. L'ail est également riche en calcium et en soufre, ces minéraux sont essentiels pour stimuler la croissance des cheveux en bonne santé. Il contient également du sélénium, qui aide à stimuler la circulation sanguine qui nourrit les cheveux et le cuir chevelu. C'est un moyen naturel d'éviter l'accumulation de produits qui conduisent à un cuir chevelu sain, augmentant ainsi la croissance des cheveux. Il existe plusieurs façons d'utiliser l'ail pour la croissance des cheveux et la première consiste évidemment à l'ajouter à votre régime ou à prendre un supplément. Et puis, nous avons plusieurs traitements topiques maison étonnants qui stimulent la croissance des cheveux avec un très bon résultat. 1. Infusion d'oignons et d'ail. 2 tasses d'huile d'olive. 2 oignons moyens. 10 gousses d'ail. Battre ou écraser l'oignon et l'ail. Dans une casserole, faire chauffer l'huile d'olive et ajouter l'ail et l'oignon à feu doux. Frire jusqu'à ce que les ingrédients soient bruns. Éteindre le feu, laisser refroidir et filtrer. Masser l'huile dans le cuir chevelu, laissez-le pendant environ 30 minutes. Vous pouvez appliquer l'huile sur tous les cheveux si vous le souhaitez. Lavez et peignez vos cheveux comme d'habitude. 2. Eau d'oignon, d'ail et de cannelle. 2 bâtons de cannelle. 2 tasses d'eau. 5 gousses d'ail. Apportez tous les ingrédients sur le feu et portez à ébullition pendant environ 15-20 minutes. Filtrez l'eau et laissez-la refroidir. Versez de l'eau dans tous vos cheveux et votre cuir chevelu. Laissez au moins 20 minutes. Rincez, lavez et peignez comme d'habitude. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces recettes 2 à 3 fois par semaine. Si vous ne vous lavez les cheveux qu'une fois par semaine, je vous recommande d'utiliser l'huile, première recette, la nuit précédente. Si vous n'aimez pas l'odeur, essayez ceci. Ajoutez à l'huile d'ail oignon, 1 cuillère à soupe d'huile de noix de coco, 1 cuillère à soupe d'huile de ricin et 10 gouttes d'huile de romarin. Bien mélanger et appliquer la veille ou 30 minutes avant de se laver les cheveux. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.